Où que vous soyez, et bienvenue comme d'habitude à la maison pour ce point média. Trois modules aujourd'hui au programme. Module Barça, parce que c'est le jour J, le déplacement à Naples pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Module également Angleterre-Italie, parce qu'on nous dit aujourd'hui que Lukaku pourrait retourner du côté de l'Inter. Et le module avec ce brief débrief Real Madrid et Manchester United. On est à 13 jours du match face au Paris Saint-Germain. Et hier, sur la pelouse de l'Atlético, Manchester United a réussi à arracher le point du match nul. On va être là-dessus. Rappelez-vous qu'on peut se retrouver également sur ma chaîne Twitch. Elle est gratuite. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Cela nous donne de l'énergie. Pas mal de nouveaux rendez-vous sur cette chaîne, avec notamment le rendez-vous du lundi midi, midi et demi en direct, avec Pablo Polo de Marca, Albert Masnou de Sport et Mademoiselle Aurore Thibaut pour une émission spéciale Liga Real Barça tous les lundis, midi et demi, 2 heures d'information avec vous. Alors on va commencer sur le débrief entre l'Atlético Madrid et Manchester United. Voici tout d'abord la presse espagnole avec João Félix qui est à la une. Il a été le grand artisan de ce bon match de l'Atlético, il faut le dire. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu un Atlético del Cholo Simeone aussi bon. C'était cette fois sur la scène européenne. Un bon match, mais de la frustration à la une de Marca. Poco premio. On pense que la victoire aurait été méritée. On s'arrête là. Peut-être que ce sera un ballotage défavorable du coup pour le match retour. On est plus optimiste à la une de As. Vous le voyez, este es el camino. C'est là. C'est le chemin à suivre pour remonter la pente, que ce soit en Liga et donc sur la scène européenne avec João Félix. Du côté de la presse anglaise, on met en avant un homme, le super sub, le jeune Elanga. Regardez, il est entré. El Kid, et non The Kid, avec les petits jeux de mots comme d'habitude à l'anglaise. On a choisi l'article à l'espagnol parce que le Kid, c'était lui. Il est entré à la 75e et bing, bingo, banga sur le premier ballon touché. C'est lui qui permet à United d'égaliser, de prendre ce point du match nul. C'est un bon point pour la formation de Rangnick, ça je peux vous le dire. Regardez à la une de toute cette presse, et donc ce super sub et cette notion avec son numéro 36, c'est lui qui a pris les commandes et non Cristiano Ronaldo que l'on attendait pourtant dans ce match, bien évidemment. Voici l'ensemble des notes et comment on a joué dans ce match très très attendu. Notez une chose déjà très importante, El Cholo aussi, Simeone n'a pas profité des 5 changements possibles, il n'en a opéré que 2 avec les Français. Thomas Lemar qui est entré à la 76e, en même temps qu'Antoine Griezmann, lui à la place de João Félix, y a pris un 3 sur 3 et Lodi 3 sur 3, c'est lui qui a remplacé Thomas Lemar. Ces deux hommes ont été très très bons dans ce match. Du côté de Rangnick, regardez, on a là profité des 5 changements et ça a donc été positif. Alex Téllez à la place de Shaw, Matic à la place de Paul Pogba, Elanga donc à la place de Rashford et Lingard à la place de Jadon Sancho. Mais regardez Cristiano Ronaldo avec son numéro 7. Il a joué les 90 minutes. Regardez sa note selon nos confrères de Marca. Il a pris une bulle. C'est tout simplement 1-0 pour lui. La même bulle qui est ici parce qu'on le sait, c'était une bête noire de l'Atlético en Ligue des Champions, que ce soit avec le Real Madrid ou la Juventus de Turin. C'est vrai, mais notamment sur les matchs retour et pas sur les matchs du côté du Wanda Metropolitano. 0 but et 0 victoire pour tous les matchs qu'a disputé Cristiano Ronaldo sur la pelouse du Wanda, que ce soit avec le Real ou avec la Juventus. Il n'a jamais réussi à marquer et jamais réussi à s'imposer avec quelque équipe que ce soit. Eh bien, c'est rebelote avec la formation de Manchester United. On a également choisi, vous voyez, Elanga ici en photo. Je vous l'ai dit, Lodi a fait un super match. On va y revenir en position d'extremo, d'homme de couloir offensif. Il a été très intelligent et notamment sur le but signé João Félix. L'ami Cristiano Ronaldo est donc en difficulté. Ça fait un petit moment qu'on le dit, hein, 2022, ça ne marche pas bien pour lui. Dans l'ombre aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, pour Cristiano Ronaldo, du jeune Anthony Elanga. Je vous ai mis ce petit tableau très intéressant, c'est le nombre de frappes, qu'elles soient cadrées ou non, des différents joueurs sur cette pelouse qui ont frappé. Regardez du côté de l'Atlético Madrid, un total de 11 frappes plus les deux ici, ça nous fait 13 frappes au total. Seulement, je dis bien seulement, 2 frappes cadrées pour l'Atlético Madrid. C'est bien trop peu. João Félix pour le but et Antoine Griezmann après son entrée en jeu. Le reste, ce sont des bulles totales. 11 frappes non cadrées, vous le voyez. Du côté de Manchester United, vous faites le total. 2 plus 5, ça nous fait 7.
Une frappe cadrée pour Lingard et une frappe cadrée pour le but pour l'ami Elanga. Vous l'aurez noté, Cristiano Ronaldo est ici. Aucune frappe cadrée pour lui, aucune frappe cadrée. Deux frappes en dehors du cadre. Attention à Cristiano Ronaldo. On va suivre attentivement la presse anglaise durant les prochains jours parce que d'après moi, il pourrait y avoir de nouveau du rififi du côté de Manchester United. Vous l'aurez compris, du côté de Marca, à l'inverse de As, on était plutôt dans la frustration. Regardez dans les pages intérieures, justement, on est de nouveau là-dessus en disant clair et net que les diables pourraient empêcher l'Atlético de poursuivre leur route fort de ce match nul. On a eu un super Joao Félix, oui, mais on a été bloqué. On revient sur le nombre de frappes, vous l'aurez compris. C'est vraiment une photo symbole, ça, de ce match sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Dans le sens positif, je vous l'ai répété, Joao Félix a donc été très bon. C'est très certainement son meilleur match depuis qu'il est arrivé à l'Atlético Madrid. Menuda pareja, quelle paire de luxe! Joao Félix est donc Lodi, comme je vous l'ai dit. Il a joué sur ce poste de latéral, extrêmement sur le côté gauche, et il a été très bon. C'est lui qui a donné ce ballon de but à Joao Félix pour faire tomber De Gea, l'international espagnol, gardien de Manchester United. On est d'accord, meilleur match de El Cholo Simeone sur cette saison 2021-2022. Et du coup, on se dit que oui, cet Atlético Madrid-là, cette version de l'Atlético, a une couleur Ligue des Champions. À voir qu'est-ce qui se passera au match retour avec Cristiano Ronaldo qui sera très certainement ultra revanchard. Le petit plus que je voulais vous donner sur la réussite d'El Cholo Simeone, c'est la position et le rôle pour Geoffrey Kondogbia, qu'on adore, la tour de contrôle là au milieu de terrain. Il lui a demandé de faire une véritable boîte sur Paul Pogba. Regardez cette photo, elle est difficile à comprendre, mais ici vous voyez un cercle, c'est Kondogbia ici à droite et Paul Pogba à gauche. Sur tous les ballons qu'a touché l'international français, bim, Geoffrey Kondogbia est venu frapper. Il y a une énorme pression, c'était le plan, la feuille de route, Hoja de Ruta, lancé par l'ami El Cholo Simeone. Énormément d'agressivité, le plan de l'Atlético. Quelle sera l'issue de la qualif avec ce match retour? J'adore quand ça reste comme ça en suspens. Match retour avec Manchester face à l'Atlético Madrid. On en vient au Real Madrid maintenant, J-13 avant ce match ultra tendu entre le Real et le Paris Saint-Germain. Il y a un homme qui n'a que ça en tête, c'est lui, Vinicius, et pour cause. À Paris, il n'a pas été bon, comme l'ensemble du Real Madrid, vous le savez. Aucune frappe pour Vinicius dans ce match aller face au Real Madrid. Carlo Ancelotti pense très clairement que la phase mauvaise est passée, il l'a dit notamment en conférence de presse. Quelques données très intéressantes pour nous montrer qu'il a marqué face à Alaves. C'est un but qui va le relancer à Vinicius après 6 matchs de disette. Pour le Brésilien, il a 2 matchs pour s'échauffer, entre guillemets, avant le match face à Paris. Le match de ce week-end, face au Rayo Vallecano. Je vais vous montrer dans un instant quel devrait être le 11 de Carlo Ancelotti pour ce match. Et le deuxième match, c'est face à la Real Sociedad. 2 matchs avant le 9 mars, avant le match retour, pour préparer Vinicius, associé bien évidemment à Karim Benzema. Pour l'anecdote, sachez que le numéro 20 du Real Madrid est en attente de sa double nationalité. Il a demandé la nationalité espagnole, l'ami Vinicius. Voici quel serait le 11 probable du match de ce week-end, de ce samedi, pour le Real Madrid face au Rayo Vallecano, derby madrilène. L'information prioritaire, c'est le retour de Toni Kroos, qui avait été laissé au repos. C'est donc un 11 classique. Courtois, Alaba, Militao, Mendy, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, la salle des machines, Vinicius, donc, Karim Benzema et Asensio. Interrogation sur Gareth Bale. Est-ce qu'il va reprendre du temps? Ça avait été l'une des surprises, vous le savez, lors de ces dernières semaines relancées par Carlo Ancelotti. Il est toujours à la marge et pour cause. Il ne s'entraîne pas avec le groupe.